Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer les exercices semi-actifs. Ce sont des exercices que nous allons pouvoir vous proposer au cours de votre éducation. Ils sont basés selon votre récupération et les séquelles pouvant arriver. Donc vous allez pouvoir rencontrer des exercices en mécanique, comme élever les sourcils, que vous ferez sur 4 mouvements. Ce sont vraiment vos doigts qui modèlent la forme de votre visage. Et sur le 5e mouvement, avant de retirer les doigts, vous pensez à tenir la position. Vous pouvez faire cet exercice aussi en fronçant les sourcils. Pareil, sur 4 mouvements, sur le 5e mouvement, vous tenez la position. On pourra vous proposer un exercice qui s'appelle les yeux mécaniques. De la même façon, ce sont vos doigts qui vont fermer vos paupières, comme si vous étiez une poupée. Pour ne pas être influencé par l'arrivée des doigts, vous pouvez regarder vers le bas, ça vous évitera de fermer les yeux par réflexe. Et sur le 5e mouvement, on garde les yeux fermés. Vous pouvez être amené à travailler l'élévateur de la lèvre avec le canin. On va vous proposer de travailler l'orbiculaire des lèvres avec le cul de poule mécanique. Pareil, comme les autres exercices, sur 4 mouvements vous relâchez, ce sont vraiment vos doigts qui modèlent la position. Sur le 5e mouvement, avant de retirer les doigts, vous pensez à tenir la position. On pourra vous proposer des variantes au cul de poule, avec un spéculum pour bien travailler l'orbiculaire et l'arrondi de vos lèvres. Ou avec un abaisse-langue pour travailler en symétrie. Nous vous conseillons de faire ces exercices devant un miroir afin de garder une bonne symétrie et de ne pas faire des mouvements qui vont trop loin ou qui ne sont pas centrés. Chaque mouvement, vous les faites lentement et sous contrôle. Il vaut mieux que vous en fassiez moins mais lentement, plutôt que vous fassiez 10 fois l'exercice, 15 fois l'exercice, mais de manière précipitée. Vous pourrez enfin travailler le sourire de la même manière, en mécanique. Et de la même manière, d'un côté uniquement.